Let's go! Bon, donc on va voir ce que ça donne. Metroid Samus Returns à cette distance-là. et sur le vélo d'appartement en soirée. Alors, vous n'avez pas encore les sprints de dispo, hein. C'est normal, ça viendra après. Alors, c'est quoi déjà les touches? C'est ça. Ok, c'est bon. Alors, je crois qu'il y avait un truc à vérifier. C'est qu'on s'en était arrêté en se disant. En se disant qu'il fallait qu'on aille vérifier quelque chose. La porte verte là-haut. Qu'est-ce qu'on avait eu comme dernier upgrade de notre suit? Oui, oui, très bien. Non, mais. Là. Navigue. Je suis obligé de cliquer pour savoir. Oh, vas-y, c'est chiant. J'avais pas eu le super jump en dernier là? Les bottes de Megaso vous font sauter nettement plus haut. La combinaison de barrière réduit les dégâts des attaques ennemies et. Ok. On a vu le Megaso. Donc il fallait qu'on trouve un endroit utile où le Megaso pouvait nous servir. Et il nous restait un Metroid à trouver dans toute la zone. Alors le truc juste en dessous de moi, je pouvais pas passer avec les bombes. Bonsoir Gerder du coup. Bonsoir. Rebonsoir Tienne du coup. Ah. Le tir en vague en dernier. Ah oui, c'est vrai, on avait que ça. On avait ça aussi. Qui nous permettait de tirer au travers des obstacles. Ah oui, on avait dit qu'il n'y avait plus que cette partie là-haut. Et cette partie à droite qu'on n'avait pas encore explorée. On n'aurait pas un téléporteur pour aller à l'un de ces trucs-là. Non, il va falloir qu'on traverse tout. Ok, donc là on va... par ici. Et on monte. Ok. Je me fais bolosser déjà, ça commence. Ça commence. Ah putain! J'ai oublié comment on joue à ce jeu depuis. C'est bon. Ah oui, c'est vrai, on avait buffé notre DPS aussi. Je commence à me dire que c'est pas une bonne idée de cette histoire de Metroid. Je vois pas très bien l'écran. Il est loin et en petit. Vous l'avez en très grand sur votre écran, mais moi il est en petit. Par là, hein. Ah oui, il y a ça aussi. J'oublie les commandes à chaque fois. Je suis buté de loin. Bombe. Ok. C'est compliqué tout ça, hein. Alors, il y a un ascenseur, mais nous on s'en tape. Ah putain. Mais... ok. Bon, donc on pouvait éventuellement aller explorer par là. Hello JPP, comment tu vas? Ah oui. D'accord, on va rencontrer ce problème là. Ok. C'est particulier, hein. Oh putain. Attendez qu'il passe. Merde. Plein en vouloir mon cul, c'est chiant. Oh mais non, mais vas-y. Trop tôt. Allez. Comment perdre une barre de vie connement quand même, hein. Ok. C'est la reprise, on va dire. Ah, le vélo est pas aussi, hein. Peut-être qu'au milieu du stream je m'arrêterai. Bon là typiquement je pense que là il faut le méga jump pour passer. Je pense qu'avec le saut normal ça passait pas. Et donc c'est par là le bon chemin. A partir du principe que c'est ça. Je me rappelais pas qu'il fallait un vélo pour jouer à Samus Returns. Oui c'est ça, c'est à quoi tu joues à Samus Returns si t'as pas de vélo. Tu dis toujours des trucs bizarres JPP un peu. Des fois j'ai vraiment l'impression que t'es pas exactement dans les... je sais pas comment dire. Dans le même fonctionnement que nous, tu sais, genre.
Enfin, genre, c'est logique d'avoir besoin d'un vélo d'appartement pour jouer à Samus Returns. Enfin, je veux dire, tu... Non, mais vraiment, en vrai. Avec quoi, sur quoi tu joues à tes jeux vidéo, en fait, si t'es pas sur un vélo d'appartement? Un pouf. Et un pouf, c'est mou. Alors qu'un vélo d'appartement, c'est ça roule. Ce qui est beaucoup plus logique quand on veut jouer à Samus Returns. Tu joues à Samus Returns sur un truc qui roule. T'as déjà eu un sprint? Pas encore, ils sont désactivés. On va les laisser désactiver le temps que je lance le jeu, que je me fasse bien au bazar. Alors là, est-ce que je peux monter? Oui, je suis pas monté. Je sais pas où est le dernier Metroid. Il y a un truc à droite aussi là. En bas de la map, qu'on n'a pas vu. Pardon, à droite. Pas y compris. Ah, attendez, on va passer l'ascenseur là. Il m'amène où cet ascenseur? Il va emmener dans un endroit de merde, non? Il fait juste un trait comme ça, mais... Non, c'est bon, au bon endroit. Pour que ça ne masse pas mousse, exactement. Donc là, c'est bon. Ok. Ok. Ah oui, alors là, il y avait une histoire de... Ok. Ok. On combattait un Metroid ici. Ok, rien ouvert là. Donc là, il y a éventuellement un truc en tombant, là. Aïe. Ah oui, là. Ah bah voilà. Ah bah c'était là qu'on avait la réserve de missiles. Bon, on a backtrack pour un peu que dalle, mais... Attendez, excusez-moi. J'ai l'oreille qui me gratte. Coucou Zugi qui est arrivé sur le chat aussi, du coup. Hein. J'ai été un petit peu lent. J'ai répondu à ta question, mais... Alors, ça lagouille les ascenseurs. C'est normal, c'est... Oula, c'est normal, c'est des écrans de chargement déguisés. Où est-ce qu'on peut aller si on va pas ici, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on peut avoir des métroïdes qu'on a ratés là? Il y a la porte du missile vert, mais on n'a pas trouvé de... Il y a une porte verte, mais ça c'est les rayons chelous là. T'es bien sur Citra, yes? Yes, yes, encore une fois, vu que ma 3DS capture card est en conflit avec mon casque. Parce que je me souviens pas d'avoir vu d'autres endroits dans cette zone où mon radar s'énervait, hein. On est d'accord. Ok. On peut tellement cheese la zone maintenant. Regardez. Bon, les ennemis nous cheese la gueule aussi, mais... Ah merde. Ah, le mec il est tombé. Oh le nul, eh. Oh le gros nul. Yo Classea, comment tu vas? Allez. Oh non, vraiment, par contre, ça c'est moche, ça. Revenez là. Revenez ici, je l'éclate, voilà. Ok. Compliqué, hein. C'est chiant qu'on ait fait du backtracking un peu inutile comme ça. Allez.
C'est raté. Putain. Moi, tu me saoules. Merde. Merde. C'est bon. Ah! Oh non! Oh, je vais y arriver un moment. Je pense qu'on va prendre cet ascenseur. Backtrack, c'est ce qu'on porte sur le dos. Hello Lavia, comment tu vas? Moi ça va, il fait chaud. Très chaud. Très 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 chaud. Où est-ce que je peux explorer que j'ai pas exploré ici? Ah mais il y a une porte là, regardez. Une salle rouge qu'on n'a pas explorée au milieu là. Où est-ce que ça peut être sinon? Ah, il y a une autre porte rouge qu'on n'a pas explorée non plus. Mm-hmm. Bon, il y a deux portes rouges qu'on n'a pas explorées avec la combinaison Varia. Comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on y va? Ok. Merde, j'appuie sur A depuis tout à l'heure. Ok. Souris, t'es parti manger. Yes. Et il est passé sur le chat? Je l'ai pas vu arriver s'il est arrivé sur le chat. Ça va me tuer, je pense, 2 heures de Samus Returns avec cette merde là. Mais bon, je m'étais dit je le faisais, comme ça je fais lundi, mercredi, vendredi cette semaine. Hop. Tu files manger aussi, Olivia? Oh mon dieu, alors. Oh là là. Mais putain! C'est un monstre de début de jeu, il me pète la gueule. Merci. Ah, pour ma défense, c'est quand même vraiment très compliqué, hein. Je mange en te regardant, shame on me. Ah! Non, franchement, shame, pourquoi? C'est marrant d'avoir des gens qui te disent qu'ils font ça. Je sais pas comment dire, moi c'est un truc que je fais, des fois. Entre midi 2. Et jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu conscience du fait que d'autres personnes pouvaient le faire. Non, je sais que des gens le font, tu vois, mais genre. J'ai jamais eu de contact avec une autre personne, tu vois. Je vois pas le PB, y'a pas de problème. Aucun problème, c'est marrant, c'est parce que c'est un rituel un petit peu. Personnel. Ah, mais putain, mais j'ai foutu les pieds dans la lave! Il faut pas ça, monsieur! Faut arrêter! Qu'est-ce que c'est ça? Votre stock de munitions est déjà plein. Ça servit à rien! C'est juste une sale piège en fait pour te griller 7 HP par passage. Enfin, ça, on a bouffé 50 parce que j'étais pas au courant, mais. Et donc là. On sait qu'il y a des trucs qui peuvent se péter dans le coin là. Hein. On est d'accord? Ah! Regardez. Oh! Je me suis encore fait troller. Regardez là-haut là. Regardez ça. Ah! Missile vert, ok. Bon bah certainement bientôt l'upgrade des missiles verts du coup. Et là, on avait dit que c'était quoi qu'il... Ah oui. Ok. Vraiment, là. Ok. Donc là, notre but, c'est d'aller dans cette zone-là. On va aller en tout droit par la droite. Hein. Mm-hmm. Non, arrête d'appuyer sur le bouton A. C'est inversé. Avec la fin de table, vers 20h45, j'ai pas trop le choix. Oh putain. Ah ouais. La souffrance. Une fin de taf tardive.
Hop, je m'essuie moi aussi. Pendant qu'elle récupère de la santé, je récupère de la santé. Tout le monde y trouve son compte. Hop. Je suis hôte de caisse et caissier central de formation. Putain. D'accord. Mais j'y vais pas du tout par là. Putain, je fais n'importe quoi. Par où je vais là? Mais je suis bourré. Putain, mais je suis bourré. Ivre, il se trompe de direction dans Metroid. Putain, lui il avait prévu que j'allais. Il avait prévu que j'allais arriver sur sa plateforme, il m'a défoncé. Il m'a pré-défoncé. Oh non! Allez! Mais putain! Là! Donc là! Oh non, mais c'est pas vrai! Il est en train de me... Le salaud! M'a éclaté la tête! Je suis en supermarché donc on ferme tôt. Tôt. Ok. Allez. Donc par là, descente. Avec la musique de le rappelez-vous, lave.mp3. Lave.mp3 égale faites du bruit. Aïe. Ah mais c'est horrible ces petits ennemis de merde là. Et putain, je chasse littéralement un moustique avec un canon quoi. Hop. Allez, toi ta tête toi. Ah mais je peux pas l'ouvrir cette porte. Oh je tourne en rond les viewers là. Où est-ce que je suis pas encore allé putain? Et c'est pas vrai, il manque un ADN et j'ai fouillé toute la map. J'ai un Glock, c'est moi, c'est les moustiques, vous avez pas ça. Oh, c'est infernal. Putain, mais nous on aimerait pouvoir se marrer là, on aimerait pouvoir des sprints là. Pouvoir foutre des sprints. Lâchez-nous la grappe, on passe à autre chose. Ah, attendez. Putain, il fallait vraiment passer par le plafond, regardez. Attendez, attendez, attendez. Je viens de voir un truc, c'est insane. Je viens de voir qu'on a encore backtracké pour de la merde. Attendez, c'est fou. Non, et plus rien ne sera jamais comme avant. Enfin, faut le savoir par contre, hein. Mais je sais pas si ça va amener vers Metroid en vrai. Alors, c'est par où? Par là. Je suis en train de faire de la merde encore. Je suis encore en train de faire de la merde, c'est insupportable. Au secours, je suis perdu. Oh putain, mais c'est pas vrai. Ah oui, donc là, il nous fallait le super saut pour revenir ici, on avait vu. Bon, bah certainement que c'est par là, du coup. Allez. Après une demi-heure de recherche, on va finir par trouver un truc. Ça va être incroyable. Sous l'activation des sprints. En plein Metroid Fight. Ça va être incroyable.
Tiens là toi. Ah mais celui il a pas été para lui. Par contre, ok. Mais il a un pote. Donc j'ai dit que c'était par où, j'ai dit que c'était par là. Et qu'il fallait monter. En fait regardez, il y a un petit truc qui tombe là. Ah, je l'ai buté à la bombe, je suis incroyable. En tout cas, force les journées de taf à 10h, je connais aussi. Putain. Et mes collègues font ça, c'est galère. Infernal, hein, les journées de. Les journées trop longues comme ça. Horrible. Après, si ça se trouve, son taf le passionne, tu vois. Mais c'est vrai que bon. Ah bah voilà, c'est là en fait. C'est même pas ouvert, c'est même pas secret. Je suis juste passé par-dessus. C'est même pas secret. Je suis juste passé par-dessus. Mais dis pas que c'est mon dernier Metroid. C'est un pouvoir. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, stop! Stop, qu'est-ce que c'est? C'est un Metroid? Aïe! Aïe! Je devrais tomber sur un boss, moi! Aïe! Oh, il m'éclate la tête là. C'est terrible! Ow! Mais pourquoi il a un pattern différent à chaque fois? 3. C'est bon! C'est pas un Metroid ça! Par contre, il avait un upgrade. Boule de saut obtenue. Eh ben, ça y est. Ça y est. Ok, la boule de saut permet de sauter en boule morphing. Point. C'est tout. Ah putain, et là, il faut que j'utilise la boule de saut pour me barrer, c'est ça? Ouf. Où est la sortie? Là. Donc là, tuto. Tuto de comment ça marche. Donc là, hop, on saute et on s'agrippe. On saute et on s'agrippe. Non mais. Tu sautes et. Et tu t'agrippes. Voilà. Ok. Into la sortie. Hop. J'ai vu le GG avant de voir le boss mourir. Ah bah là fixez votre internet hein les cocos hein. Vous pouvez pas blâmer un viewer de suivre le live comme il faut. Go refresh. Go contrôle F5. Désolé hein, je remplis ma barre de vie. Je vais y arriver. Ça y est. Et donc là, il faut qu'on retourne à l'endroit où on a besoin de la boule de saut. Putain, là c'est. C'était vénère comme backtracking. Hein. Je pense qu'on va pouvoir activer les sprints, les viewers. N'oubliez pas, les viewers, contrôle F5, c'est mieux que F5. Allez, on va prendre le temps d'activer les sprints vite fait. Hop! Voilà. C'est bon, faut y aller. Hop. Mais vous pouvez aussi le garder. Pour un moment où ça va être incroyable. Oh. Pensez-y bien. Il va y avoir une méta sprint bientôt. Les gens vont être en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense mes points vite avant que les gens dépensent à ma place? Ou est-ce que j'attends? Sachant qu'il y a un cooldown. Non, arrête!
Sachant qu'il y a un cooldown. Falloir savoir. Ah bah Zugi a... Zugi a... a défini la méta. Allez c'est parti les viewers. C'est le moment. Hop, passage en 4. On appuie, on se baisse. Et c'est déjà vous. Déjà vous. Faut que je speedrun aussi. J'arrive au bon moment. Déjà vous. Ok. Ah merde. Ouh. Juste avant Metroid. Ça a bien fait grimper la tension là. Je sais plus comment on joue. Ok. C'est trop bien, mais je me suis dit d'avoir eu celle-là. Oh putain! Merde! Vite! Attendez! Je me suis pas mis en rayon de glace! Ah. C'est bon! Aïe! Ok, on l'a éclaté. Waouh. C'est dommage, c'est un qu'on l'a déjà vu. Ouais. Alors en fait je pense que là pour le coup on n'allait pas tomber sur un nouveau. Ok. C'est normal ce BPM ou il devrait y aller plus doucement vous pensez? Je suis à combien là? Je suis à 150. Ouais voilà, normal. T'inquiète pas va, je vais pas mourir. Et on repart sans rayon non givrant. Je pense que Metroid ce sera plus trop un jeu qu'on fera sur le vélo. Trop chiant, il y a des clics à faire. Et coucou Ruby du coup. T'es monté à 160 plus. Ouais. J'ai fait un effort. Je sais pas à combien on est censé monter max mais voilà, c'est ça, sur un effort intense, c'est pas choquant, je suis d'accord. À Ringfist, c'était pas fréquent qu'en fin d'effort j'ai des 150 hein. Au moment de la prise de. Au moment de la prise de truc. Ah. Ok. Chargeur a décidé de fonctionner mon PC à blackout direct, il a dû se décharger pendant que je n'étais pas dessus et pendant 5 minutes j'ai pas réussi à faire fonctionner mon chargeur. Jusqu'à ce qu'il remarche miraculeusement. Faux contact peut-être. Ouh. À parler après, ça fait pas du bien. Oui, disons que là en plus, Tienne a raison, ça fait une bonne demi-heure que je m'échauffe. Je fais exprès de pas les permettre tout de suite. Il y a juste un petit truc que j'ai envie de vérifier, les viewers, par rapport au module de. De trucs là. Deux secondes hein. Ah bon? Ah. Bon, il faudra que je reteste plus en détail le module. Parce que là j'ai quelques petits problèmes d'affichage. Ok. Mon anime Pedex qui s'agrandit, tu l'avais jamais vu? Ah t'étais peut-être pas là pour le premier stream, elle avait bugué cela dit. C'est chouette qu'on voit qu'elle fonctionne correctement.
Ah merde. J'ai vérifié toute la chaîne de prise, débranché, rebranché plusieurs fois mon chargeur, et seulement quand j'ai branché un moment le chargeur d'un autre PC que le mien a bien voulu fonctionner à nouveau. Oula. Changer de chargeur comme ça, compliqué quand même, enfin risqué, je veux dire. Où est-ce que je dois aller là? Putain mais c'est à Chai. J'ai pas un téléporteur plus proche? Si, j'ai un téléporteur plus proche bien sûr. Let's go. Je sers pas assez les téléporteurs. Si j'avais su que c'était une blague quand on disait qu'on l'avait déjà vu. Parce que c'était le cas, mais je l'ai pas clip cette fois. Je l'ai clip cette fois. Ah d'accord, ok. Alors. Ici. C'est bon, let's go. C'était la même marque, donc ils ok. Bof bof, je crois quand même. Hein. Hop. On va passer à la zone suivante, les viewers. Il nous reste plus que 27 métroïdes à tuer. On en a fait qu'un seul sur ce stream là pour l'instant. Contrairement au dernier stream qui avait été une rare violence. Et puis, dis donc, vous là, faites exprès de faire chier. Ah mais regardez-moi ce sniper quoi. Une précision mortelle. Allez c'est parti, la machine à Metroid. Un peu peur pour mercredi. C'est-à-dire. Alors que je boive les viewers, je suis beaucoup là. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai mis un t-shirt exprès, un t-shirt de sport. Pour éviter de me retrouver avec le t-shirt qui colle à la fin. Faut que je pense à m'hydrater. Ok. Il met ça juste au-dessus. C'était la même marque. Oui, oui, mais justement, je t'ai dit. Parce qu'en fait, c'est pas la marque qui change. C'est pas la marque qui compte. C'est le voltage ampérage. Ah mais il vient de me chercher. Petit merdeux. Je les déteste. Mourez. Non. Barrez-vous. Ah je les déteste ces moustiques là. Ils sont horribles. Ils te figent. Ils t'obligent à t'arrêter pendant un long moment. Et merde raté. Let's go. C'est compliqué vos discussions. Je rejoins le chou sur cet avis. Même si c'est la même marque, faut faire gaffe. Ouais ouais. Avant d'intervertir des chargeurs, il faut toujours faire attention. Après, bon, en général, il y a des chargeurs universels. Voilà, simple et bonne raison qu'il y a des standards, donc il y a quand même peu de chances que tu te sois planté. Bon. Ah, attendez. Ça, on connaît là-haut. Hop. On connaît ça. Voilà. Let's go bikini pour 100 là. Et arrête. Tu fais du mal. C'est quoi ça? Pas ça, ok. Je suis bien quand même là. Après aujourd'hui je suis passé en effort 3 aussi. La route bikini est suivie. Ah qu'est-ce que c'est que ça? Pas ce truc moi. Attendez parce que je m'essuie du coup je sue. Comme un cochon. Je sue comme un cochon. Allez.
Chargeur, j'ai mis 2-3 minutes seulement pour voir si c'était le PC ou le chargeur qui était dead. Ok, d'accord. Bon, après, voilà, si tu fais attention. Et nous arrivons donc dans la fameuse zone 3 de la planète SR388. En vrai, je crois qu'il nous manque quand même quelques réserves de missiles, mais bon. Ouais, après, c'est plutôt bien indiqué sur la carte, et je pense qu'on va pouvoir backtrack. Ah ! C'est que cette horreur ? Ok, il y a des ennemis plus balèzes, il y a des tourelles qui nous tirent des missiles dessus. Et il faut 10 ADN. 10. Et comment je passe, là ? Par là-haut ? Par là-haut. La fameuse zone 3. Toi-même, tu connais la zone 3 ? Alors, la zone 3. Ah, il y a des tourelles et tout, là. Quand je dis regarde le message juste au-dessus, c'est pour Ruby. J'ai pas des soucis de quoi en ce moment, là, je regarde mon C-440p. D'accord, ok. Parce que ça devient récurrent. Ah ! Aïe ! Aïe ! Mais barrez-vous, enfin ! J'ai rien fait, moi ! Ils sont en train de péter la gueule, tous. Putain, j'ai plus de vie. Elle met combien de hits cette tourelle là? J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. La tourelle m'a target et j'ai plus de vie. C'est affreux. Une zone où il va falloir esquiver les pièges. Génial. Putain, énorme. Mais vas-y! Pars-toi! Putain, je perds tellement de vie, c'est affreux cette zone! Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Faut la geler peut-être, non? Faut la geler quand elle est en position basse pour passer? La fameuse zone 3. C'est parce que j'ai fait une blague. Bon, recurie. On est dans la fameuse zone 3. Tout le monde sait ce qui se passe dans la zone 3. Non, c'est juste qu'en gros, vu que c'est un remake d'un jeu Game Boy, la vanne, c'est que ça avait pas trop de nom à l'époque parce qu'on s'en foutait, tu vois. Que répéter ce que le streamer a dit. Ah, on a un nouveau pouvoir d'Ion. Nouveau déglutissement de langue. Et qu'est-ce qu'on a? Rafale de rayon. Ok. La rafale de rayon augmente la puissance et la cadence de tir. Votre rayon est amélioré, mais chaque tir consommé, chaque tir consomme de rayon. Appuyez sur machin pour l'équiper. Ah, sur l'activer quand c'est activé. On va essayer tout de suite. Putain, vous imaginez... Attendez. Ah, ça marche pas avec le missile. Ça marche pas avec le missile. J'allais dire, vous imaginez avec le missile ce truc? Mais du coup, quoi? On repasse et on... On refait dans l'autre sens, c'est tout.
C'est tout? Quoi? FTH ou FTTLA? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je comprends rien. Bon, du coup, là, on est d'accord, il faut faire ça, là. Ouais, voilà. Wouh! Ok. Ça tient pas la pression, ces trucs, hein. Ah, vous pouvez passer par là aussi, sinon. Ok. Ascenseur, attendez. Stop, il y a un truc là, j'ai pas vu ce que c'était. Attendez. Ça, je connais. Voilà. Regardez. Putain, mais regardez comme il est malin. Il a trouvé la réponse tout de suite. Trop fort. C'est comme ça qu'on va vers le bikini pour cent. Il y a deux normes pour la fibre. Quand elle est arrivée directement chez toi, c'est de la FFTH, donc de la vraie fibre. Ah oui. Oui, fibre à la maison ou fibre à la... ou fibre au poteau, quoi. Enfin, pas au poteau, mais... on a compris, au relais. Même pas en plus, parce que c'est... est-ce qu'elle arrive chez toi sous forme de fibre ou est-ce qu'elle arrive chez toi sous forme de... sous forme de... en bas de ton immeuble et ensuite c'est relayé avec du... coaxial. Ah! Ah! Y'a un gros machin, je connais pas. Putain! Attendez! Et merci Chichi qui lâche son 26e mois de sub. Merci à toi. Bienvenue Chichi. Profiter de tes emotes. Et... ah! Oh, il m'a bien niqué. Ra! Ah! Qu'est-ce que c'est des éboulements? Aïe! Mais arrêtez avec les chauves-souris de merde! Quelle horreur, je déteste ces trucs-là. Je pense qu'on voit les rafales, ça doit être efficace. Mais ils sont démultipliés. On se barre et les packs se multiplient ou ça se passe comment là? Mais arrête! Merci. Quel enfer! Je pense qu'on était pas obligé de la tuer elle. Y'a un truc qui fait un vieux bruit là. J'ai pas la... j'ai la fibre dans l'appart. Ah ouais? Ah ouais, non, là c'est pas normal. Ah, effectivement, ton opérateur est en train de te la mettre à l'envers là. Effectivement, ton opérateur est en train de te la mettre à l'envers. Je pense que le reboot de la box il a déjà tenté, non? Qu'est-ce qui était parfait, Chichi? La danse de ce sub, la danse de sub sur le vélo, c'est particulier. Bah, je pense qu'en vrai, dans d'autres conditions. Il aurait fait moins chaud, la danse aurait été plus authentique. Et là, je suis vraiment pas en état, là. Oh non. Ah, c'est bon. C'est des pics décoratifs. On peut passer. J'ai cru que j'allais avoir mal, mais on peut passer. Alors, eux, on peut les éclater quand ils nous sautent dessus. Regardez. Et voilà. En fait, comme tous les ennemis de ce jeu, ils sont hyper sensibles au crochet du droit. Hop. Voilà. Ok. J'ai quand même vraiment l'impression d'être en train de beaucoup trop explorer pour ce que je suis censé faire. Voilà, mais c'est une pièce chaudron ça. Ça fait un bruit de pièce chose en tout cas.
C'est clairement une pièce chose, j'ai un truc pour faire des choses avec ces trucs bleus. Il y a jamais trop d'exploration, c'est vrai. Le grappin. Ah, attendez, ouf, je commence à avoir les premières douleurs. Ça devait arriver. Ouf, j'ai essayé de me replacer, j'ai eu les premières douleurs du cul. Tout va bien. Ah. Ouf. Hop. On va bien s'asseoir, on va se poser bien. Voilà, et c'est reparti. Excusez-moi. Je me suis décalé et j'ai eu mal au cul. Alors, toucher son icône pour l'équiper. Oh mais non alors. Oh là là. Ça va devenir compliqué hein, par contre. Hein. Regardez ce que je suis obligé de faire à chaque fois pour changer de rayon. Ha. Ok. Parce que du coup j'imagine que je peux pas me battre. Ah si je peux. Ah c'est bon. C'est bon. T'as eu les contractions, t'as perdu les os. Mais non. Mal au cul. Ah. Pour ceux qui veulent, je poste le speed test dans le flow sur Discord. Alors après, il est aussi possible que ton FAI fasse de la restriction par service. Et dans ce cas-là, tu peux les appeler et leur dire qu'ils arrêtent. Parce que sinon, procès. Je reconnais, c'est le grab, ça, ouais. Ah ouais. Si vous avez joué à Smash Bros, hein, c'est bien évidemment le... C'est bien évidemment le grab de Smash Bros. Ah ouais. Ah ouais. Ok, le rayon bleu, les bleus servent à être attirés. On peut se balancer. Une Samus qui se balançait sous le toit de toi de... Ah. Ah non mais par contre ça va être méga chiant, regardez, mid combat, il faut que je change maintenant là. Putain vite. Donc là. Ah, c'est radical comme solution quand même. Hein. Je vais éclater la tête, mais c'est radical comme solution. Ok. Donc là, c'est reparti. Rechangement. Popo, j'ai besoin de ta lumière. Ok, vas-y, chichi, dis-moi. T'as sub, donc t'as le droit à un conseil. C'était un jeu tellement, tellement ta maison. On peut faire du yo-yo. Trop drôle. Ok. Ok. Là, il faut passer par là. Aïe! Aïe! Putain, mais faut que j'arrête de pas vouloir me battre. J'aime me battre normalement. Quand j'éteins, allume mon casque sans fil. Ça switch pas automatiquement de l'enceinte au casque, il y a une solution. T'as bien défini les sources par défaut sur ton PC? Prochaine étape, la nuke sur les moustiques. La bombe nucléaire pour les moustiques. Let's go, hein. Bon, je vais mourir. Il va y avoir une death à la con là. Ouais, voilà. Ah, les ennemis font très mal dans cette zone. Il suit les trois lapis. Ok. Hop, c'est pas grave, on a sauvegardé il y a 2 secondes littéralement. On va vite faire restart la rediff.